comment abordez-vous cette journée avec vos élèves? Cette journée-là, ça me permet d'aller un peu plus loin, mais moi, je parle pas mal toujours d'éléments culturels franco-ontariens étant un enseignant d'art dramatique. Mais cette journée-là, comme je mousse un peu les activités, c'est-à-dire je mousse l'intérêt chez les élèves de bien vouloir prendre conscience de l'importance des activités qu'on a à l'école. Alors, que pourquoi on s'habillerait de telle façon? On demande aux gens de s'habiller en vert et en blanc, on a des tatous dans le visage, on écoute de la musique franco-ontarienne davantage cette journée-là. Mais j'essaie de dire aux élèves que cette journée-là nous appartient. Alors, j'en parle davantage cette journée-là. Et quand on participe au niveau de toute l'école, aux activités, bien moi, je suis toujours comme un des profs dynamiques, un des profs présents, au milieu de la foule. On a des groupes de chanteurs qui viennent nous voir. Comme par exemple, on a eu Damien Robitaille, bien moi, j'étais en plein milieu. J'encourageais les élèves à danser, à sauter, etc. Donc, moi, par la modélisation, par mes gestes et mon enthousiasme, c'est une façon d'encourager les jeunes à participer davantage, puis